J'espère que vous allez bien. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, Oracle et Spiritualité, mes deux grandes passions. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait sauter les cartes et nous allons les découvrir ensemble pour faire cette guidance, toujours dans notre évolution spirituelle, la recherche de notre vérité, la recherche de la personne que nous sommes vraiment et osons être cette personne. Donc, nous allons commencer avec l'oracle de Lisa Williams. L'âme intuitive, l'oracle de l'âme intuitive. Et nous avons le papillon, le cheminement et la liberté. Alors ce qui est un petit peu incroyable, c'est qu'il y a déjà deux cartes qui sont sorties dans une précédente guidance, qui est le papillon et le cheminement. C'est pas un hasard, hein, mais les cartes sont battues tous les jours. Donc ce n'est vraiment pas un hasard. Je pense qu'il y a un vrai message. Le message justement de qu'il est temps de déployer nos ailes. Il est temps de se lancer, il est temps d'oser. Il est temps d'oser d'avancer sur notre chemin de vie et d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Et par exemple, moi ce qui me fait vibrer, c'est d'être en alignement entre ma vie spirituelle et ma vie humaine. D'être humainement ce que je suis spirituellement. Et donc en fait, cette carte, elle vous dit comme ça, que voilà, vous avez fait un travail de longue haleine. Nous avons fait un travail de longue haleine. Et qu'il est peut-être temps maintenant de mettre en action le savoir qu'on a acquis et de le transformer en connaissance. Que nous arrivons, parce que c'est vraiment mon cas, à une croisée de chemin où forcément ça nous dit comme ça qu'il y a une porte qui s'ouvre à nous. Alors, est-ce qu'on va oser franchir le pas de l'inconnu? Bien moi je vous dirais que moi je vais franchir tous les pas de l'inconnu du moment que cet inconnu me porte vers le haut. Il faut savoir que quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Et quand on est sur notre chemin de vie, si nous partons sur cet éveil spirituel à reconnaître le « je suis » qui est en nous, qui est donc l'esprit divin, la fréquence du Christ, si nous osons aller sur ce chemin qui s'ouvre à nous et ne pas rester sur, ce qu'on connaît déjà, voilà. Cette carte, elle nous dit, il est temps d'avancer, tout simplement, pour amener la liberté de qui nous sommes. Toujours, on en revient toujours à ça. Si on acquiert la liberté, ça veut dire qu'on a, acquéri la confiance en soi, la sécurité. Donc en fait, on se sent libre. C'est un état assez merveilleux. Moi, je compare toujours ça aux oiseaux et aux papillons. Quoi de plus libre que les oiseaux et les papillons? Ils sont toujours à jouer. Alors on va voir ce qui est marqué sur ces cartes. Elle nous dit changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Voilà. Avec le cheminement, on a croiser des chemins, planification et temps d'avancer. Et avec la liberté, liberté de l'âme. Être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Comment vous dire que c'est un beau projet. Voilà, le papillon il nous dit comme ça aussi, hein, qu'on a bien travaillé, donc il est temps que nous puissions déployer nos ailes. Avec l'oracle de Jenna Blonson, les hautes vibrations, nous avons pratique la gratitude, la douceur et la visualisation créatrice. Pratiquer la gratitude, c'est par exemple ce que je fais tous les jours, tous les matins. Et ce, avant de me lever, avant d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire, quand je me réveille, eh bien, je remercie d'être encore là. Je remercie d'avoir un jour de plus pour évoluer, toujours, et pour faire de cette journée la meilleure qu'elle puisse être. De là à avoir aucun regret au cas où ça serait la dernière. Mettre de la gratitude, c'est dans tout ce que, par exemple, tout ce que j'ai, je vis très simplement
mais je me sens très riche. Chaque tableau, chaque objet, chaque petite boîte, chaque plante, chaque pierre que j'ai, tout ce que j'ai, tout a été choisi avec le cœur. C'est de la gratitude. J'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai. Voilà. Moi, j'adore. Et en s'apportant de la douceur, c'est plus facile. Vous savez, c'est comme aider les autres. C'est plus facile d'aider les autres que de s'aider soi-même. Eh bien, la douceur, c'est la même chose. C'est plus facile d'apporter de la douceur à autrui qu'à soi-même. On va plus facilement aller caresser notre chien, notre chat, notre lapin, plutôt que de nous apporter de la propre douceur. Avoir de la compassion pour nous. Ah, pouvoir s'harmoniser en nous-mêmes, et ce, avec douceur. Ce qui a été, ce qui est, et ce qui sera, sera. Chaque chose en son temps. Voilà. Mettre de la douceur pour soi-même. Et vous verrez que ça sera au centuple ce qu'on pourra donner aux autres douceurs. La douceur, on peut se l'apporter déjà par la pensée. Vous voyez ? De pouvoir être en paix avec soi-même. La douceur qu'on va s'apporter à notre corps. Tous les jours, il faut s'hydrater. Il faut prendre soin de ce chaos qu'on a. De ce temple. C'est notre maison. Hein. C'est notre corps qui nous fait avancer. Et donc, les visualisations, c'est la créatrice. Si vous avez un projet en tête qui vous tenaille, hein, un petit truc qui revient souvent, il faut le mettre en place. Qu'est-ce que vous risquez? Quel est le risque que vous prenez à faire ce que là vous avez envie de faire? Ça peut être tout un tas de choses différentes. Moi, par exemple, je prends le risque de faire ce que j'aime, la spiritualité, et mes cartes devant vous. Vous pouvez très bien commencer de la peinture. Et puis, forcément, le mental va rentrer en ligne de compte. Il va vous dire, qu'est-ce que tu me fais? Mais là, faire venir justement cette petite voix intérieure de l'être divin qu'on a, qui dit, non, persévère, continue. Parce que rappelez-vous que persévérer, c'est percer. Et vous verrez. Vous verrez quoi? Vous verrez peut-être la lumière. Moi, je persévère aujourd'hui. J'ai appris, j'ai compris surtout ça. Donc, comme j'ai compris, j'applique. Et j'avoue que quand j'ai décidé quelque chose, je persévère. Je vais jusqu'au bout. Et j'ai compris qu'il fallait que je m'attelle un projet à la fois. Sinon, je partais dans tout va. Un sujet et faire des pauses et pouvoir regarder autre chose après. Mais n'hésitez pas à vous lancer, vous prenez en fait aucun risque. C'est votre mental qui vous dit ça. Si par exemple c'est juste par rapport au regard des autres, on en a déjà parlé dans une vidéo, il faut arriver à s'en taper le coquillard du regard des autres. Sinon on n'avance pas. Et si on fait attention au regard des autres, ça veut dire qu'on se robotise. Donc on se met dans la lignée de monsieur, madame, tout le monde pour ne pas faire tâche. Vous voyez? Mais faisons tâche. Voilà. Avec l'oracle de Jenna Blonson, les 30 clés, nous avons ma gratitude pour la vie est infinie. En plus, on a les chakras, le chakra du plexus solaire en jaune. Et nous avons le chakra sacré. Donc en fait, c'est rigolo parce que les pierres que vous avez devant vous correspondent. Voilà, on est dans un petit arbre de vie, un arbre du bonheur en cornaline, avec une pierre de cornaline. Et ça correspond, c'est orange, donc ça va avec le chakra sacré. Et avec le plexus solaire, vous pouvez utiliser la citrine ou l'œil du tigre. Il y a tout un tas de pierres, du moment que ça rapproche du jaune, vous voyez. Et ça permet de le mettre, vous mettez quelques instants sur vous, avec confiance, avec foi. Vous vivez votre pierre. Votre pierre, elle n'en a rien à faire de vous, hein, elle ne vous connaît pas. Hein. Mais elle peut dégager ce qu'elle a quand tout est fait avec le cœur. Parce que n'oublions pas que les minéraux sont vivants. Et chaque pierre, vous pouvez faire ça, vous le posez sur vous, histoire que ça...
ça touche un peu et que vous puissiez le sentir pour vous réaligner. Il ne suffit pas de porter les pierres pendant des heures et des heures. Vous pouvez le faire 10 minutes par jour, c'est bien. Ça permet de se réaligner. Donc, cette carte nous dit comme ça, comme la carte de pratique la gratitude, c'est en pratiquant la gratitude de la vie que vous avez jour après jour, on en arrive à avoir une gratitude infinie dans la vie. Parce que si on a décidé que la vie était belle, si on a décidé qu'on met de l'amour dans tout ce que nous voyons, et bien on fait de notre vie une belle vie sur Terre. On a tout en main, hein. C'est nous qui décidons si à une journée on a décidé d'être triste et de rester toute la journée bien triste. Non. Là on nous dit, ayons de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà, pour la richesse intérieure du savoir qu'on a, de la connaissance pour beaucoup également. Remercions, parce que c'est important de remercier, je pense. Comme s'accorder de la douceur et se remercier soi-même de la douceur qu'on s'accorde. C'est un tout, hein. Avec l'oracle de Jenna Blonson, la mission de vie, nous avons passe à l'action. Regardez. Si on a des idées créatrices, hein, on a envie de faire un film, on a envie de faire une vidéo, on a envie de peindre, on a envie de chanter, on a envie de courir, on a envie d'aimer, on a envie de doser. Eh bien, passe à l'action. Passons à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? Faut oser, je pense que ça sera dans chacune de mes vidéos, parce que en fait c'est ça, tant qu'on n'a pas pris le risque d'oser être qui on est, au moins une fois sur un projet, on a du mal à avancer. Mais c'est logique, hein, c'est notre personnalité, notre mental, notre ego, et il nous pousse à croire que c'est pas pour nous. Et que pourquoi tu te contentes pas de ce que tu as déjà? Oui, mais si le déjà qu'on a, on n'est pas heureux, voyez. Si on n'est pas équilibré, si on n'est pas en paix, si on n'est pas en sérénité, alors que oui, on a déjà un présent, mais s'il ne nous amène pas ce qu'on a vraiment besoin. Parce que moi, je dirais que ce qu'on a besoin, c'est avant tout de simplicité. Simplicité dans nos pensées, simplicité dans nos paroles, simplicité dans nos actions. On se prend trop au sérieux. Retrouvons notre âme d'enfant. Soyons émerveillés chaque matin, vous voyez, c'est aussi ce que je fais le matin, de penser qu'il faut que je regarde la vie de cette journée comme une enfant, comme l'enfant que j'étais avant mes 9 ans. Vous voyez, il faut regarder la vie avec amour et avec des yeux nouveaux. Regardez chaque chose et chaque personne et chaque pierre et chaque plante avec des yeux nouveaux et des yeux d'amour tout le temps. Et le petit archange qui nous accompagne, c'est Samuel. Ah, Samuel, c'est mon ange gardien. Samuel, c'est celui qui voit Dieu. Samuel, sa pierre, c'est la fluorite verte. Il a ce don de nous aider. Par exemple, dans notre transition professionnelle, à nous aider à nous diriger vers peut-être un métier qui va nous faire vibrer, un métier qui va aller avec ce qu'on ressent en nous, et ça va avec ce qu'on a vu, hein, d'oser, tout ça pour arriver à avoir la liberté. La liberté de qui nous sommes, osons être qui nous sommes. Oh, j'en rêve tellement. Moi, j'essaye de le faire tous les jours. Hein. Bon, comme d'habitude. Et j'insiste. Hein. Mais c'est que voilà, je l'avais mis à l'envers, c'est pour ça. Donc Samuel, il va nous aider à retenir des grands textes. Il va également nous aider dans nos relations amoureuses. Voilà. C'est vraiment quelque chose de beau, de pur. Il va nous aider à lâcher un peu du mental pour écouter bien plus notre intuition, notre ressenti, notre cœur.
Et là, il nous dit, écoute ton cœur. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude. Oh, on en revient encore, hein. Trois fois gratitude, quoi. Donc, deux fois, hein. De gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Ouais. Pardonne-nous tout ce qu'on a pu faire, c'était peut-être pas bien, mais rappelons-nous toujours qu'on agit avec la personnalité qu'on avait à ce moment-là. On essaie toujours de faire au mieux dans les situations fortes, vous savez, les situations où vraiment ça engage en plus d'autres membres dans votre famille, etc., où ça touche vos proches. Mais toujours se rappeler qu'on a fait ce qu'on a pu, quoi. Voilà. Et donc, on va finir exceptionnellement aujourd'hui par l'oracle avec lequel je commence d'ordinaire, qui est l'oracle d'Élodie Lagouy, le murmure des galets. Et là, nous avons l'âme. Bah, ça va carrément avec cette guidance, comme à chaque fois d'ailleurs. L'âme. Et ouais, c'est cela. On a un joli cœur là, à l'intérieur. Soyons notre âme. Comprenons que nous n'avons pas une âme, nous n'avons pas 200 grammes qui se baladent par là. Nous sommes notre âme. Nous sommes notre je suis, qui est notre esprit divin, qui est la fréquence du Christ. Soyons, acceptons d'être un être de lumière dans la matière qui a la possibilité de s'éveiller et d'être empli d'amour et de pouvoir donc propulser l'amour autour de nous. C'est formidable. L'âme, c'est accepter l'enfant intérieur qu'on est, donc sa spontanéité, sa joie, son rire. C'est ne pas se prendre au sérieux, j'en reviens à la simplicité de tout à l'heure, et d'avancer dans cette vie, dans la matière, conscient de l'âme que nous sommes. De la belle personne, de la belle âme que nous sommes. Et décidons d'être un être d'amour pur sur terre et propageons le bien, respirons le bien, pensons le bien, donnons le bien. Et ne pas essayer de ne pas réagir face aux personnes qui peuvent nous envoyer donc des énergies négatives. Toujours se rappeler que c'est leur droit, mais c'est notre droit à nous de ne pas nous prendre en pleine face. C'est notre droit à ce moment-là, quand on reçoit les choses négatives, de dire « c'est votre droit, vous avez le droit de penser cela de moi, vous avez le droit de le dire. » Mais honnêtement, je ne me sens pas concernée, parce que je sais qui je suis. Et je suis ce que je suis humainement, ce que je suis spirituellement. Je suis amour et je suis lumière. Et je suis fréquence du Christ. Non, des « je suis », il y en a plein. On prend le « je suis » qu'on veut sans oublier, malgré tout, qu'on est amour et qu'on est lumière. Nous avons, moi j'inclus toujours que je suis ma propre référence, donc je suis confiance. Et je suis sécurité, parce que je suis ma propre sécurité. On avance bien plus facilement, on ose bien plus facilement dans la vie de faire des choses peu connues, même de nous-mêmes, mais qui vibre avec nous quand on est sa propre sécurité. On n'a plus besoin des autres pour nous aider, pour gouverner. On a toujours besoin d'amour de nos amis, de nos conjoints, de nos animaux. On a tous besoin de tendresse, mais on n'a plus besoin d'eux de la même façon. On sait quand on fait quelque chose de bien, donc on n'a pas besoin qu'on nous le dise, on le sait. Donc on agit, on ose. Voilà, je me dis des choses juste sur un mot, l'âme. Maintenant, je vais vous lire ce qu'Élodie a marqué sur sa carte. Mon âme est la traduction humaine de l'esprit que je suis, l'encodage de mon moi divin dans un corps de chair sur terre. C'est le pont qui permet la présence de mon je suis dans ma condition humaine. Elle vit dans les hélices multiples de mon ADN, dans la famille de la lucidité. Être conscient que nous sommes notre âme. Être conscient de tout ce que je vous ai dit avant, que nous sommes amour, que nous sommes présence divine, que nous sommes lumière, nous sommes énergie, nous sommes vibration, haute vibration,
avec cet oracle de Chena Blonsal. Alors apportons-nous de la douceur au lieu de toujours en donner aux autres. Apprenons à nous aimer. Voilà. Je vais terminer là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à laisser un message, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie toute ma lumière. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée.